with a force. Yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we no rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God. Queen Louis V, see your body. Gucci, see your body. Baby girl, make me show you the highlight. Introduce her to starlight. You a roll with a real G. So welcome to paradise. And me nah leave you lonely. Keep you by my side. Nah, make you walk in a sun, baby. Big fat Benz, yeah, drive. Carry up Calabar Beach, Nigeria. Jamaica standards. The life I'ma make you live. Baby, a straight high standard. You done rich, girl. Wine see the money now. You done rich, girl. Wine see the money now. You done rich, girl. Wine see the money now. You done rich, girl. Yeah. Yo, man, I know what them do to my heart. Can't love nobody, serve my son that. But just a lip, hey. Just a walk. Just a go through with some spark, some spark. My fault from another beginning, my shut up. Never know a man, you did that look, you should have got it. But just a lip, just a walk. She say you can't stay, so I just a laugh. Yeah, she give me the pussy, me never cut off, no close. No time for phone, so me go intercourse. But a girl give me love one time, I go out the boat. No one to dollar, just a show them support. Me not remote, but I'm turn around the most. Session is so good, me tell her for draw the note. She draw the note, just a live it up, not the vote. Tie anybody else, but you no can't tie the goat. Man, I know what done that to my heart. Can't love nobody, serve me sound that. But just a live, baby, just a walk, okay. Just like a chew with some spark my fault from another beginning, my shut up. Never know a man, you did that look, you should have got. But just a lip, just a walk. She say you can't stay, so I just a laugh. Never got to the money first, and after that, they say me. Yeah, yeah, me know my girl, me tell her some basic. Take a step in my world, but don't get clingy. No make no sense if you can't risk it all for me, car. We make the girl, I'm out of fun. Make you whine until she come. Now if you go in and out, baby, we ride us up on the ground. So my day, my big woman, leave me, the man and girl were young. Why you feel them call it fun? Because it's hotter than the sun. I don't know what done to my heart. Can't love nobody, serve me sound that. But just a lip, just a walk. Just like a chew with some spark my fault from another beginning, my shut up. Never know a man, you did that look, you should have got. But just a lip, give me a break. Cause a boy like me not mad. Me not mad over no girl. Cause a boy like we not mad. We not mad over no girl. She coulda put you like Kale and spend enough money, no. We not mad over no girl. She coulda cute like Kale and win a box bunny, no. We not mad over no girl. Here's up. I wanna know. I wanna know. Me no wanna girl a pressure me as me weak. Like oh my real guitar she a dick. Better if you give me a break. I have a sick. Cause a boy like me not mad. No. Me not mad over no girl. Cause a boy like we not mad. No. We not mad over no girl. She coulda pretty like Kale and spend enough money, no. We not mad over no girl. She coulda cute like Kale and win a box bunny, no. It's an ice and liquor juice, I eat on my Hennessy cup. Couple girls and couple tops to make the energy buck. Sabrina, wanna run for make the energy block. If I'm a girl, I run the pussy, get me ready, me up. But if I'm a girl, I give me static, get me ready for cut. Cause when I'm yellow, they don't know how much the energy buck. But so much girl up on the line, I said they're ready for cut. You can't break my confidence. All these lies is just pretense. You fucked up, girl, don't blame me, cause that's just your incompetence. If you wanna leave,
DJ Ram. I make you bad boy. Strong if him no know your weak part. Only see your sad side, never see the freak part. Aye. Tell your boy moving blood clot. Pack up your clothes, meet me at the bus park. Don't do it yet, wait till it touch dark. Cause the boyfriend them pan the corner love talk. Link me at Churchill Avenue. I bring your pretty friend a cute like Danny Boo. Make a round turn if the boy follow you. Cause you know the pussy all afraid like Scooby Doo. When you say you never fucking at the Jew, make her fucking at the sea till the water cover you. You and me are your friend, what a crew. This a one plus few, that a three, but not two. Oh God, I was still at your floor. Oh God, when she get the fuck when she say oh God. And then that start release. All girl them send me fresh from me say oh God. Non, c'est la teuf, c'est n'importe quoi. Je vois tout le monde, on s'en jaille. Moi, j'ai laissé le son rouler. Ben là, j'ai apparu depuis combien de temps. Mais c'est bon, je vois qu'on est en train de tuer la teuf. On s'amuse, il y a du gros son qui roule dans le caisson. Bonsoir à tous. Je gère mon son. Alors, est-ce qu'on entend encore le bed un peu? Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas? Du DNSO, ça fait longtemps quand même. Ça manque un peu. Un peu de musique, chata bang bang. Alors. On est 16, il faut que je dise bonsoir à du monde. Oh là là. Il faut que je dise bonsoir à du monde. Bonsoir mes muffins. Je dis les muffins. Bonsoir les muffins. On n'appartient à personne ici, nous ne sommes pas des possessions des gens. Stop le capitalisme. Je vous salue, amis. Plein de graisse. Kimbo, salut, Fucky T, Fucky N World, CL4, la modératrice préférée de ton modérateur préféré. Woi, hello, Yaki, Arrogant Bégueux, salut, HushPuppy89, bonsoir, Makia, bonsoir, Biondello, bonsoir, Fidèle, merci, toujours fidèle au rendez-vous. Julie From Design, salut, bonsoir à tous. J'attire avec la musique et après on souffre. Non mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'écoutais, non, je suis tombé sur la séquence, je vais mettre pause quand même. Je suis tombé sur la séquence vidéo de 50 minutes inside en Martinique, c'est ça? Et en fait il y avait Toast qui passait en fond sonore et j'ai repensé à Toast. Et j'ai repensé à Toast et aux vacances 2018 et comment le son écrasait. Du coup, cet après-midi, on s'est fait une session de Toast avec, avec plusieurs... Il y a eu quoi? Il y a eu Toast. Mais il y a eu, du coup, Lockdown, etc. Enfin, beaucoup de musique. Et donc, du coup voilà, on s'est retrouvés à vouloir écouter ça. Et donc, je voulais écouter ça pour commencer. Voilà. Rapture, oui, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais du coup, Fulham t'avait mais oui, mais c'est CL4 qui m'a initié à Kofi. Tu sais, puriste, elle disait,
À l'époque, déjà, ils disaient, non, mais Kofi, vous allez voir, ça a pété, vous saurez pas, ça c'est du gros son. Mais un moment avant que ça soit du gros son, tu vois. Donc, je fréquente une puriste. Voilà. C'est gratuit, shot fired. C'est gratuit. J'ai pas encore tous mes articles, c'est bien. À la base, je comptais mettre. Qu'est-ce que j'allais mettre? J'allais juste mettre ce soir live. Voilà. Ce soir live. Du coup, je me suis dit non, qu'est-ce qu'on. Préciser quand même, qu'est-ce qu'on fout, quoi. Et donc, du coup, voilà. J'ai quand même essayé de faire en sorte voilà, de donner un nom à ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va regarder Tropic Criminel? Non! Non, 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 mais on a regardé hier Tropic Criminel, il faut accepter. Faut accepter aussi, c'est marrant. Je préfère dire. Je préfère utiliser cette phrase, c'est marrant. Alors, bonsoir à tous, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Merde, Si, il y a des vidéos, elles se lancent toutes seules et je ne Depuis supporte pas ça. Il leur intrusif. Non? Tais-toi. Voilà. Et bonsoir, est-ce que c'est ici pour le cours d'Excel du samedi soir? Peut-être, hein. Peut-être en vrai. Parce qu'on n'a pas, on a le tableur maintenant, donc c'est cool en vrai. On peut faire un point d'étape à chaque fois sur ce qui est en train de se passer, ce qui se passe. Du coup, pourquoi pas? Moi, je comprends avec ça. J'ai dit qu'on allait peut-être faire un peu 7ème. J'ai pas salué Jessie François 75. Merci beaucoup pour le follow. Arrogant Beggar aussi. Merci beaucoup pour le follow. Est-ce que j'en ai d'autres? Je regarde mon truc. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors, pendant que j'étais pas là. Oui. J'en ai eu un, deux. Patrick. Deline. J'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à voir. Patrick. Mais je vais pas voir. Ok, d'accord. Bon, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Table croisée dynamique, DDT, One. Ben ouais, pourquoi pas. Non, mais on est là. On est là. En tout cas, consultant. Mais consultant, vous êtes où? Mais chargé de projet. Mes UX. C'est Jibou les intimes. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, c'est quoi le programme de ce soir? Quel est le programme de ce soir? On va faire un point média sur Nanar Yacht. Sur Nanar qui a décidé qu'il allait porter plainte. Donc j'ai récupéré un peu les articles et les différents et son communiqué de presse notamment. Donc on va regarder un peu comment c'est traité. Je trouve ça intéressant toujours de regarder comment c'est traité. Et donc, j'ai quoi là? J'ai France Antilles, Martinique Première et RCI, je crois, il me semble. Est-ce qu'il y a un article RCI sur... Oui, j'en ai eu. Et donc, du coup, voilà, on va regarder un peu comment c'est traité. Après, j'ai aussi une petite vidéo d'ATV sur les ROM JM qui fait écho à un truc dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça a donné. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on va parler un peu de GBH. On va toujours parler de GBH. Parce qu'on va parler de GBH à La Réunion. Parce que le GBH à la Réunion, ça peut être intéressant de savoir, enfin de voir comment fonctionne GBH à La Réunion. Parce qu'il y a une longue enquête qui a été faite en février 2020 par rapport à GBH. Et du coup, c'est un truc qui n'est pas souvent fait en Martinique. Qui a peut-être été fait, mais que je n'ai pas vu, qui n'est pas souvent fait en Martinique. Et donc, du coup, je serais intéressant de voir. Est-ce qu'on peut faire des parallèles entre ce qui se passe à La Réunion et GBH, la prédation capitaliste de GBH à La Réunion, et l'équivalent, du coup, en Martinique. Voilà. Est-ce que... Ah, des nouvelles de Business News. Tiens, non, je ne sais pas. J'ai pas eu... Attendez. Je vais essayer d'ouvrir mon Twitter. Mais j'en ai pas. Il n'a pas répondu, Eddie. Merde! Pourtant, je suis un des premiers visionneurs. Je regarde toujours les trucs de... Il est pas sympa, Eddie. Tu aurais pu me répondre, merde. Oh, c'est pas cool, ça. Il répond pas. Il n'y avait pas assez de caps. Caps lock. Vous n'avez pas assez retweeté. Attendez, je vais sur son compte. Je vais voir si le truc est toujours là. P
Personne n'a parlé, on vous en parle. Non, il a parlé du Covid. Est-ce que vous voulez savoir qui vole aux Antilles? Comment? Ouais. Il a pas répondu. Incroyable. C'est pas cool. On va lui redemander. On veut des sondages exclusifs. On va lui redemander à Eddie. Je vais lui envoyer un message personnellement. Voilà. Vous voulez savoir qui vole aux Antilles? Comment 2 milliards sont prélevés frauduleusement chaque année? Chariots jumeaux, ordinateurs en sable, blanchiment, fraude à l'octroi de mer, fausse ordonnance, etc. La réponse dans le nouveau Business News. Non mais c'est ça, mais alors du coup, mais ceux qui sont en Martinique, vous n'avez pas un PDF? Personne, vous n'avez pas un personne dans le tonton qui... Je vais demander à mon père, tiens. Je vais lui demander de me le prendre. Il va me dire, mais tu veux faire quoi avec, avec ma... Je lui dis, mais... savoir qu'est-ce qui se passe, je sais pas, écoute comment. Bon, alors je trigger warning, je vais ouvrir mes onglets, je vous préviens, on va arriver directement sur un communiqué de presse de GBH. Donc la première entrée de cette soirée sera un communiqué de presse de GBH. Donc quand même doucement, quand même. Je préviens, on respire un peu. 4-4-2 et voilà. Hein, doucement. Attendez, qu'est-ce que... Choqué des... Mais où j'avais tout donné, ils sont où? On veut des sondages. Et le ticket mouillé. Si ça se fait aussi à la CFTU, le ticket mouillé. À ce qui paraît, le ticket de métro, tu peux faire ça. Hein. Mais c'est pas mouillé. Hein. C'est genre, tu passes un truc... comment on appelle ça? Le truc pour enlever les ongles, hein. Comment ça s'appelle? Enlever les ongles. Enlever les... Enlever les... Comment ça s'appelle? Aimant? C'est un aimant? C'est avec un aimant que ça se fait? Les trucs de métro? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout. À l'époque, tu mettais le ticket de métro au soleil. Wow, d'accord. Ok, d'accord. Dissolvant, voilà, mon Dieu, je cherchais le mot tout à l'heure. Dissolvant, donc quand tu mets du... Comment on dit ça? Du vernis à ongles. Putain, je vais y arriver. Vernis à ongles, voilà. Ça fait une semaine que j'ai pas stream et j'ai l'impression que ça fait un mois. C'est terrible quand même. On a raté un jour et j'ai l'impression que ça fait un mois, quoi. Incroyable. Bref, bon, allez, j'ouvre l'onglet WebPC. Il est pas là. Oui, il est là, c'est bon. Attendez, je zoome pour vous parce que ce que vous voyez bien là. Peut-être zoomer encore un petit peu. Qu'on ait tout le texte. Là, vous l'avez bien là. Là, vous voyez. Léa, salut. C'est bon, vous voyez là ou pas? On voit. Il faut reprendre les mardis. Mais oui, on va essayer de voir si on a le temps. Alors, du coup, ce qui s'est passé. GBH a réagi enfin. Je sais pas si c'est enfin. A réagi. À une émission de radio de la matinale de RCI. C'est là où tu vois que, visiblement, en fait, tu peux dire tout ce que tu veux, partout, mais quand tu dis un truc dans la matinale de RCI le matin à 7h, là, tout le monde l'a entendu. Même les gens de GBH l'ont entendu. Et ils prennent pas ça. Les gens ne prennent pas ça. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Pas la matinale de RCI. Pas la matinale de RCI. Bref. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, voilà. On va aller le communiquer. Ensuite, on va voir les articles pour voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été dit? Bernard écoute RCI. Ben oui, il faut qu'il écoute si ces espaces pubs sont bien passés, je pense. Je suppose. Monsieur Galsemansa a filmé des propos mensongers au sujet de ma responsabilité dans l'affaire du chlordécone. Ces propos volontairement diffamatoires et mensongers sont inacceptables. Venant en plus d'un homme public de la Martinique. Donc ça aurait été Tissonson ou Tiquinquin, il l'aurait laissé passer. Parce que des petits nègres qui me disent de la merde sur moi, j'en ai. Mais non, pas grave, c'est mal ça. Je veux donc rappeler la vérité. En plus, il parle en jeu. C'est intéressant parce que souvent... Souvent, il envoie quelqu'un, il envoie un de ses très proches, Bagoé, son numéro 2, son numéro 3, Larcher, il va aussi... C'est proche lieutenant, disons. Et là, il est allé directement avec le... Non, je ne suis en rien responsable, pas plus que les sociétés du groupe GBH, des problèmes liés à l'importation du chlordécone. De chlordécone. Monsieur le député Letchimi, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone,
a d'ailleurs confirmé dans cette récente déclaration sur sa page Facebook du 9 février 2021. Wow. Donc du coup là, Bernard Ayot directement name drop Serge Letchimy. Le rapport d'enquête parlementaire sur le chlordécone est public et peut être consulté par tous. Je ne peux que vivement recommander à tous les Martiniquais d'en prendre connaissance. Ce voix, il a lu avec attention, Bernard. Voilà. Non, alors c'est un communiqué de GBH parce que je pense qu'il considère qu'on engage GBH et sa personne. En même temps, GBH, c'est groupe Bernard Ayot. Donc tu me diras, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment un gros problème de ce point de vue-là. Comme tous les Martiniquais, je suis extrêmement préoccupé par le problème de la contamination des sols par cette molécule. Comme tous les Martiniquais, je ne comprends pas que l'action judiciaire entreprise depuis de longues années ne puisse aboutir. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce sujet. L'émotion collective qui... Collective. Macron, il aime dire ça quand il y a deux L, il fait collective comme s'il faisait une dictée. L'émotion collective qui touche la Martinique est forte et légitime. Je la partage entièrement. Le drame de la chlordécone est une épreuve. Déjà, il dit la chlordécone, je me méfie. Les gens qui disent la chlordécone, c'est je me méfie. Est une épreuve, c'est comme ceux qui disent la Covid. Le drame de la chlordécone est une épreuve qui ne doit pas nous diviser, mais que nous devons surmonter tous ensemble. La gravité des déclarations de M. Garcia-Malsa me contraint. Genre, il n'a pas envie, hein, mais il est obligé d'y aller. Me contraint à engager des poursuites judiciaires pour diffamation publique. Wow. D'accord. Merci, Nana. C'est terrible. Alors, je suis un peu malade, donc je vais peut-être renifler. Je vais essayer de respirer très bien, très fort. Je suis un peu malade. Je ne sais pas si c'est la Covid. Je pense que non. Je pense que c'est surtout une grosse allergie parce que je fais souvent des allergies. Je vous raconte ma vie. Et donc, du coup, si vous m'entendez respirer un peu plus douce, de façon compliquée, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je vais peut-être moucher. Je ne sais pas. Ce sera peut-être une première. Hein. Je serai en train de moucher en live. Pourquoi pas. Je ne sais pas. Alors, blablabli, diffamation, contact, presse, Claire Richer, directeur de communication. Mais Richer, c'est pas... Richer. C'est Lanché, le mec? C'est Richer? Je sais plus, bref. Responsable, bref, ou comme du groupe, c'est un emploi fictif. Est-ce que c'est GBH qui poursuit Bernard Ayot? On va aller voir dans les articles. Qu'est-ce qui... Tididic. Très intéressant, ça. C'est vrai... Et j'ai mis un petit article de Dorénal. J'ai mis un article de Dorénal après parce que souvent, c'est le même discours qui est repris. Dorénal, Emmanuel Dorénal, c'est un communicant. Donc, en vrai, ce ne serait pas étonnant de le voir mettre la patte et aider à écrire ou etc. parce que c'est son cœur de métier, vraiment. Et une partie de ses agences, parce qu'il a plusieurs, enfin, une agence qui a plusieurs agences, bref, un truc comme ça, travaille sur de la com' pour une partie des groupes de GBH, une partie des entreprises de GBH, pas du groupe, du coup. Faut une partie du groupe. Et donc, du coup, ce serait pas si étonnant que ça qu'il ait mis un peu la main dessus. Donc, le communiqué qui reprend le discours de Dorénal, c'est pas faux, pas forcément faux, vraiment. On n'a pas forcément de preuves de ça, mais ce serait pas si étonnant que ça. Donc, on a quoi? On a France-Antilles, Martinique Première et RCI. Je sais pas c'est qui on va. On va chez qui? Il l'a dit dans Résonance, mais tout à fait, mais vraiment, c'est exactement ça. J'allais un peu en parler parce qu'il a un discours bien particulier. J'ai un article de lui qui est là, donc on va peut-être l'écouter tout à l'heure. Je sais pas. Mais quoi, on fait le RCI? On fait lequel? On fait quel article? Dites-moi. Je vous laisse voter. Wow. Alors, j'ai quoi? Quel drip. Drip, drip. Alors, c'est bien, on peut dire, regardez, qui a titré comment. RCI, ils ont mis une banane. Martinique Première, ils ont mis Nana. Ils ont mis... Attention, trigger warning. Et RCI... France-Antilles, ils ont mis les deux. Ils ont mis Malsa et Bernard Ayot. Voilà. Mais du coup, on peut savoir qu'est-ce que Malsa a dit. Voilà. Interrogé par la radio RCI ce jeudi 18 mars dans le journal de 7h, Garcia-Malsa avait estimé qu'il ne fallait pas que le groupe GBH soit impuni en Martinique. Puis visant directement Bernard Ayot sans le nommer, il avait lancé « Un président de la République peut être condamné ici en Martinique. Il y a un homme, un seul, qui est maître du monde. »
maître de la Martinique et qui peut faire ce qu'il veut. Ben voilà. Du coup, on voulait savoir qui. On voulait savoir qu'est-ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce que Garcia Malsa avait dit. On a le texte là. Un peu, une partie du verbatim. Pour parler en toute logique. Alors. D'accord. Et donc, du coup, je pense que c'est ce qui l'embête. C'est le fait qu'il parle du groupe GBH. Et ensuite, il y a un homme qui est maître du monde. Mais c'est comment on dit ça? Si yo dit un bail, yo pas nommé, mais au senti. Si wesh la tombe en Jadon, c'est que Jadon t'es grand. If it fits. If the shoes fit. Au lendemain de cette déclaration, le patron du groupe GBH sort donc de sa réserve dans un communiqué fait rare pour être souligné, signé en son nom. Il dénonce tout d'abord des propos mensongers. Ouais, donc là, on a déjà vu le truc. Mais c'est bien parce que maintenant, tout le monde veut que la lumière soit faite sur l'histoire du chlordécone. Parce qu'en fait, tout le monde sait que, d'un point de vue purement juridique, ils peuvent pas se reprocher grand-chose. On peut pas leur reprocher grand-chose, tu vois. Donc du coup, bah les couilles, en fait. Donc, voilà. L'émotion collective qui touche la Martinique est forte et légitime. Je la partage entièrement. Le drame de la chlordécone est une épreuve qui ne doit pas nous diviser, mais que nous devons surmonter tous ensemble. Yélé, Abadiso, ça au fait. Non mais, très intéressant parce que, donc c'est Tididik qui le disait. Il y a des éléments de langage qu'on a donné à tout le monde, et maintenant tout le monde est en mode, non, il faut que la lumière soit faite, c'est l'histoire de chlordécone, il faut vraiment faire la lumière, et en fait, quand tu regardes, il y a quelques années, à l'époque, personne ne voulait parler de ça. Les gens, chlordécone. Confiant en bien ou en mal, était vraiment en mode, personne ne veut en parler, personne ne veut dire qu'est-ce qui se passe, alors que c'est pas normal, tu vois, et qu'on peut quand même nommer qui a fait quoi. Et donc, en vrai, on sait deux choses. Que le chlordécone, c'est principalement et beaucoup une personne qui est décédée aujourd'hui, qui est Ivayot, qu'on a vu et qu'on a entendu pour ceux qui étaient là dans, comment ça s'appelle, dans les derniers mètres de la Martinique. Donc on sait que ça a beaucoup été Ivayot, le chlordécone, qu'il a été importateur exclusif, distributeur exclusif, et que plus largement, les fonds, comment on appelle ça, l'argent qui était en subvention était transformé, entre guillemets, directement en achat de chlordécone et de Kipon, enfin les produits, etc. Donc, tu vois, c'est un peu particulier. Et Bernard Ayot fait toujours en sorte de dire non, moi, j'ai rien à voir avec le chlordécone. Ce qui est possible, en fait. C'est-à-dire que, factuellement, si ça se trouve, il n'a rien à voir avec le chlordécone. Factuellement. Je dis factuellement. Ne pas dire, moi, mon cas de fond de bougla. Factuellement, il a peut-être et sûrement rien à voir avec le chlordécone. Mais, attention, plus largement que ça, premièrement, on apprend ou on a appris récemment, mais l'information n'est pas claire, mais il semblerait beaucoup de choses montreraient qu'il vendait, je mets au passé, ou qu'il vend, je sais pas, qu'il vendait des produits phytosanitaires, etc., des pesticides, etc., en Martinique, à Bamex. Donc, à Bamex, et Bamex, c'est... Donc, Bamex, c'est établissement Ayot, c'est donc une entreprise, établissement bien Ayot, donc une entreprise qui vendait des produits phytosanitaires, déjà à l'époque. Donc, pas forcément des produits à base de chlordécone, etc., puisque, en vrai, si c'est son frère qui était importateur et distributeur exclusif, il n'y a aucune raison qu'il se fasse concurrence ou que lui aussi en vende, donc. Peut-être qu'il n'y en avait pas, d'accord, pas de produits à base de chlordécone, mais ils vendaient des produits. Et là, on arrive au deuxième aspect, c'est que indirectement, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une culture qui ne peut plus être faite ou qui n'existe plus en Martinique, qui est compliquée à mettre en œuvre. Et là où on peut trouver les espaces qui sont fichés, entre guillemets, ou traces, voilà, la traçabilité contre. Zéro chlordécone. Voilà. La traçabilité zéro chlordécone, elle est dans les centres commerciaux et dans les carrefours, etc. Donc,
indirectement, ils profitent de ce truc-là. Et c'est ça la puissance du capitalisme quand il est dans une condition de monopole, en fait. C'est que il a peut-être pas touché dedans, mais c'est pas lui, c'était son frère. Ils avaient des business ensemble à côté, nanani, nanana, d'accord, bon, whatever. Mais c'est lui qui profite in fine, puisque du coup, il a quand même cet avantage de dire, ben, en fait, les gens vont venir dans mes centres commerciaux, en fait, à la fin de la journée, prendre leurs légumes, puisque c'est là où on pourra dire, ces légumes sont tracés, où il y a une vraie traçabilité qui dit que ces légumes sont sans chlordécone, tu vois. Voilà. Il y avait, je sais plus, mon Dieu, une vidéo très intéressante. Est-ce que je peux retrouver cette vidéo? Ah, merde. Une vidéo très intéressante d'une émission de France Télévisions, je crois que c'était France 5, qui parlait du chlordécone. Il y avait cette séquence qui est incroyable, parce que c'est un mec qui explique, et il dit un truc fou. Il dit, ils ont gâté nos terres, ils ont gâté nos mers, et maintenant ils veulent qu'on aille acheter dans leur supermarché. Et ça, c'était un truc fou. Et donc, bien sûr, je ne sais plus où est cette vidéo. Bien sûr, j'aurais pu peut-être trouver cette vidéo avant de faire mon live. Mais juger les gens, là. On fait ce qu'on peut, ok? Je cherche dans mes liens. Mais écoute, alors dis-moi si tu as le lien du truc. Moi, je le prends. Hein. Je sais que je l'ai publié sur mon Twitter à l'époque. Et j'essaye de la retrouver. Je sais plus où elle est. Je sais que je l'ai, hein. Je sais que je l'ai quelque part, mais le temps que je la retrouve, mon Dieu. C'est les aléas du direct, hein. Voilà, hein. Vous connaissez, hein. On est un peu dans ce truc où voilà, hein. un peu les aléas, voilà. Il se passe ce qui se passe, hein. Voilà, n'hésitez pas à donner Tipeee Racle Média, hein. Voilà, mettez le lien du Tipeee. Oh là là. Je vais la trouver. Non, je vais la trouver. Attendez. Donnez-moi 2 minutes. Oui, c'était dans... Je crois que c'était un truc comme ça. Non, c'était pas c'est à vous. Non. C'était C'est à vous ? C'est un truc genre... C'était pas C'est à vous. Wow. Mais les gens, vous êtes incroyables. J'ai des super liens. Attends, j'essaie de choper ça. En fait, je regarde sur Google comme ça, parce que comme ça, je suis pas sur le même truc de recherche, comme ça je vais pas vous foutre 15 trucs en même temps. Non, c'est pas celle-là. Non, mais je vais y arriver. Il y a des gens qui se barrent. Non, mais c'est bon, il fait chier lui, hein. On va pas rester un mec qui nous... Oh là là, c'est bon. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait bientôt un docu décolonisons l'écologie, qui sera disponible sur YouTube, réalisé par Canubis, qui travaille avec les ouvriers, le collectif des ouvriers agricoles, un collectif d'ouvriers agricoles, et deux autres amis activistes à elle, si j'ai bien compris. Et donc, il y a un documentaire qui sera intéressant. Donc, ouais, pourquoi pas. Je sais pas si on va le regarder ici, parce que on va peut-être laisser les trucs se faire, mais non, ça peut être intéressant. Décolonisons l'écologie, ouais, tout à fait. Est-ce que je l'ai? Ah! Est-ce que je l'ai?
Je vais trouver. Mais il faut que je trouve la séquence unique après maintenant. Mais je vais la trouver, je vais la trouver. Je vais la trouver, je vous mets ça je vous mets ça où? Je vous mets ça là. Et en fait, cette séquence là, elle explique mieux, je pense, vraiment ce que le bon, super pub, ce que le mec veut dire et ce qui pourquoi on a une pub, je ne sais pas. D'accord. Alors attends, je vais essayer de voir si je trouve cette séquence. Et non, non, elle est pas là. Mais c'est bien du. Elle est pas là, ça m'énerve. Je l'ai et je sais pas où je l'ai mise en fait. Comment ça, où j'ai mis le truc? Ça grave. C'est extrêmement grave. Peut-être ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, ça dure 28 minutes, il faut que je trouve la séquence. Bonsoir, Osmond Jam. Salut, salut. Alors, à l'heure actuelle, on est en train de chercher une séquence d'une personne qui résume très précisément les méfaits de l'utilisation du chlordécone. Et donc, du coup, je cherche une séquence précise qui, je trouve, résume assez bien et je pense que j'ai trouvé. C'est bon. Je pense que je l'ai trouvé. Donc, je vais vous mettre cette petite séquence. Voilà. Merci d'avoir attendu. Vous êtes vraiment bien, ceux qui sont restés. Et vous n'êtes pas partis non plus. Les gens ne sont pas partis. Je dis ça, je suis méchant. Les gens ne sont pas partis, ils sont toujours là. Django, bonsoir. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'il y a le... J'ai en train de me spoil. Le mec met exactement la partie qui est intéressante. Donc, on va peut-être... Donc, c'est... Mais je vais vous mettre le... Je vais vous passer le lien. Ça fait partie des liens qu'on essaye de ranger dans la future... dans les améliorations sur la frise qui devraient pas tarder, je pense. Et donc, du coup, c'est une partie qui est très intéressante. Ça dure 30 minutes. Et ça date de 2013. 30 minutes, ça date de 2013. Et il y a une partie de ce qui va être dit qui va être vraiment très intéressant. Donc, le drame du chlordécone réveille aussi les vieilles blessures du colonialisme. À Sainte-Marie, Philippe et ses compagnons sont écœurés. Vous avez du son? Dites-moi si le son est bon. Si c'est pas trop fort ou pas assez fort, je sais pas. J'augmente, vous me dites quoi. Normalement, mon son est pas au max, mais si, il est au max. Le son de l'ordinateur est au max. Un peu plus fort. Je sais pas comment je fais ça. Est-ce que je peux augmenter? Comment j'amène le son? Peut-être sur ça. On va essayer ça. Je pense que ça va être trop fort dans mon bruit. Si les vieilles blessures du colonialisme. À Sainte-Marie, Philippe et ses compagnons sont écœurés. Après le poisson, c'est la langouste qui vient d'être interdite à la pêche. Alors que les bananes, elles, ne sont pas contaminées. Maintenant, ça pollue. Qui pollue? Est-ce que c'est les pêcheurs qui polluent? Pourquoi nous trouvons que nous, de telles circonstances, qui empêchent nous de vivre? Tandis que Betcheya qui pollue, hein, c'est Betcheya qui peut payer. Ils ont gâté nos terres, ils ont gâté nos mers, ils ont gâté nos rivières. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous allions acheter dans leur supermarché. 40% des pêcheurs sont aujourd'hui... Et en fait, le gars, il a résumé ça en quoi? 30 secondes. Et c'est le principe normalement qui devrait être appliqué. Je vous la remets cette séquence-là parce que... Je trouve qu'elle est assez précise dans ce qu'elle explique et dans ce qu'elle dit. Pollueur-payeur, en fait. C'est simple. Pollueur-payeur. Et autant je peux entendre que des gens te disent « Ah oui, c'est pas bien la Riot », etc. Autant il faut arriver à considérer le système béquier et le système des plantations et des grands patrons planteurs béquiers comme un groupe social à part entière, basé sur une forme d'entraide. S'il y a des gens qui sont communistes, c'est bien des béquilles, en tout cas entre eux. Alors, je suppose qu'il y a des guerres de pouvoir, etc. Mais il y a une forte entraide.
Et donc, du coup, si ces messieurs décident de faire un bagaille, yo ka fait bagaille là et tout le monde ka profité de bagaille là. Donc, si tout le monde ka profité, il faut que tout le monde paye aussi, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que dans ce qui est dit, c'est intéressant. Et le drame, c'est quoi? C'est que de point de vue juridique, il a sûrement raison. Moi, j'ai rien à voir avec ça. J'ai pas trompé dans ça. J'ai rien à voir avec ça. Mais au-delà de ça, il y a une portée économique et politique qui est différente et qui est dans l'aspect du groupe. Et ça, il faut pouvoir intégrer ça. C'est trop facile de dire non, les individus, ah, non, 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 on n'est que des individus, ah, non, 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 non. À ce moment-là, il faut accepter que vous profitez aussi d'un système, en fait. Emmanuel de Rénal, sur les plateaux, il est tout le temps en train de dire « Ah non, 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 moi, je ne représente aucun béquet, je ne suis pas béquet, je ne représente que moi-même en tant qu'individu. » Mais il fait des communiqués de presse à droite, à gauche, etc. Et il est quelqu'un qui profite de cette communauté, en fait. Donc, c'est facile de dire « Je suis un individu, je me suis fait tout seul, je n'ai rien à voir avec ces gars-là. » Sauf que Yoka fait passe droit, Yoka partage entre eux. Et ils sont une équipe, donc ils font ça, en fait, entre eux. Et c'est normal. Mais il faut accepter tout à ce moment-là. On se remet la séquence. Maintenant, ça a lieu. Qui est-ce qui pour lieu? Est-ce que c'est les péchés qui pour lieu? Pourquoi nous trouver que nous dans de telles circonstances qui empêchent nous de vivre? Tandis que Betchéa qui pour lieu, c'est Betchéa qui pour payer. Ils ont gâté nos terres, ils ont gâté nos mers, ils ont gâté nos rivières. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous allions acheter dans leur supermarché. 40% des pays. Et non, mais c'est assez fou. Mais cette information, elle est là. Alors, ça fait longtemps, mais guillotine, non? Non, expropriation peut-être, récupération des terres, et on peut discuter. Mais ne serait-ce que... En fait, c'est intéressant. Il y a quelques jours, quelqu'un demandait... Elle n'est pas là ce soir, non, c'est... comment elle s'appelle? Eh ben... Debo Solo, elle demandait la réforme ou la révolution. Mais on dirait qu'on peut même pas faire la réforme, en fait. C'est-à-dire qu'on voudrait bien faire des petites réformes du genre, les gars, payez un peu. Vous avez des monopoles qui sont pas totalement légaux, et c'est pas des monopoles, mais c'est des cartels, tu vois. Donc on est 3, 4, toi tu fais ci, moi je fais ça, moi je fais ci, et nos prix sont ok, et on se gère entre nous. Payez un peu plus. Donner un peu plus, tu vois. Mais non, ça me bat les couilles. Et c'est la prédation à ce moment-là, en fait. Et du coup, c'est même pas, tu peux même pas parler de façon raisonnable. Ils vont faire de la philanthropie. Tu auras une fondation Clément, fondation GBH, nanani, nana, qui permet doucement de faire circuler aussi des informations, ou de bouger légèrement, ou de jouer avec l'histoire, ou de la façonner un peu. Parce que quand tu vas au musée au mémorial de l'éruption de la montagne Pelée 1902 qui est à Saint-Pierre, le mémorial de Saint-Pierre, je crois que c'est pas un musée, et c'est peut-être pour ça que ils peuvent jouer avec les histoires comme ça. Le mémorial, il y a par exemple une part belle qui est faite au christianisme et aux croyants. Il y a un truc qui explique noir sur blanc. Blanc sur noir, parce que c'est noir, c'est écrit en blanc, qui explique blanc sur noir que les croix et les objets chrétiens ont mieux résisté, et on ne sait pas pourquoi il y a un aspect mystique à la chose, on ne sait pas pourquoi ces objets ont mieux résisté à l'éruption, mais la réalité est qu'ils ont mieux résisté à l'éruption, nanani, nanana. Et donc tu te dis, mais ah bon? Il n'y a aucune preuve scientifique de ça, il n'y a rien de spécifiquement scientifique. Peut-être que c'est juste que, comme ce sont des objets bibliques ou religieux, les gens ont fait plus attention à ces objets-là quand ils ont allé récupérer des trucs dans les cendres, tu vois. Mais non, bah les couilles. Les gars disent ça comme ça, tu vois. Donc on met la thune, du coup, mais on met la thune dans notre histoire et notre façon de voir les choses aussi, quand même. Ça, c'est dangereux, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, du coup. Donc c'est celui qui met la thune qui décide qu'est-ce qui va passer ou ne pas passer. Voilà. Et je pense que ça joue aussi sur la réflexion que les politiques peuvent avoir vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que autant politiquement parlant, ça n'a aucun intérêt de s'embrouiller avec un béquet, si tu veux. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut pas...
J'allais dire idéaliser, mais non, diaboliser totalement. C'est pas des gens diaboliques. C'est des gens qui ont des intérêts de classe. Ce sont des intérêts de classe. Ce sont des bourgeois. Et double intérêt de classe, parce qu'il y a un intérêt de classe, disons, social, mais aussi un intérêt de classe racial qui joue. Double intérêt de classe. Ces gens-là ont intérêt à préserver leur classe sociale. Donc forcément, ils vont mettre leurs billes là où leur classe sociale peut être le mieux préservée. Enfin, c'est simple logique, tu vois. Donc ils ne sont pas là le soir à faire des réunions secrètes, quoique peut-être, hein, des réunions secrètes pour décider. Non, non, non. Ils mettent l'argent là où il y a leurs intérêts de classe qui jouent. Donc voilà. Pas plus étonnant que ça, en fait. Bon. Je respire. J'ai le nez un peu encombré. Un coup des béquilles, ça. Et donc, du coup, cet aspect-là, ce truc de porter plainte, là, dans l'Atlantique de Martinique première. J'aime bien ces lunettes. Elles sont sympas. C'est quoi? C'est des quoi? C'est des Ray-Ban? C'est des Ray-Ban, on dirait, non? C'est des Ray-Ban, vous dites? Je sais pas. Conscience contrôle, je vais, merde. Y a un mec en France qui aime bien faire ça, tout ce qui est plainte, tout ça, c'est Bolloré. C'est Vincent Bolloré. Un peu aussi Bernard Arnault, mais beaucoup moins. Un mec qui aime vraiment plainter, c'est Bolloré. Et Bolloré, donc, il plainte. Dès qu'on lui parle de ce qu'il a fait en Afrique ou pas, naninana, il plainte. Direct. Plainte. Et donc, du coup, c'est dans le jargon journalistico-policier ou judiciaire, on dit que c'est une forme de procédure bâillon, en fait. C'est-à-dire que c'est pour être sûr que les gens, même s'ils gagnent ou ils perdent, les gens ne mettent plus leur nom dans leur histoire, tu vois. Donc, il y a quand même ce rapport-là qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas forcément négliger cet aspect de dire « Ok, moi, je porte plainte, donc maintenant, chaque mot que vous allez utiliser vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon groupe, vous faites attention avec, parce que même si je vais perdre, moi, j'ai des avocats et j'ai de la thune, et donc on s'en bat les couilles, en fait, tu vois. » Donc, c'est un truc qui est quand même à observer, parce que ce que Bolloré fait, il le fait régulièrement et à tout moment, et c'est très dangereux pour les médias d'enquête, comme notamment Mediapart ou Bastamag, qui sont deux médias avec qui il a déjà eu forte affaire, Vincent Bolloré. Donc du coup, de voir Bernard Ayotte qui fait cette plainte contre Garcia Malsas, ça rappelle un peu ça. Donc c'est à voir. Les lunettes, il les a achetées à l'opticienne Bekia Ducos. Oh non ! Mais l'opticienne Bekia Ducos, là, près de Thiriette, là. Mais j'y suis allé, moi. Je sais plus ce que je faisais, où j'allais. Parce que j'habite le François, donc c'est pas très loin. Mais quand je suis en Martinique, je suis au François, je me suis dit, mais tiens, il y a un nouveau truc de lunettes qui a ouvert. Je vais y aller. Mais j'avais aucune idée de ce qui allait là, en fait. Mais littéralement, c'était avant que je parte en Angleterre. Donc en 2014 ou en 2015. Peut-être 2015. Je pense que c'était en 2015. Fin 2015. Et donc, du coup, je vous raconte ma vie, encore une fois. Je vais là, je me gare, déjà, j'essaie d'ouvrir la porte, le truc est fermé à clé. Le truc est fermé à clé, je frappe, je toque. Il y a une meuf qui arrive, elle ouvre et elle me dévisage. Jean, qu'est-ce que tu fous là? Et moi, ben, je sais pas. Je dis, oui, bonjour, je cherche une paire de lunettes. Je me suis dit qu'il devait avoir des paires un peu stylées, donc je suis venu, etc. Donc mon cas, les gars, des lunettes, mais mon cas senti, yo, des en bas, là, des blancs, peut-être de bêtises. Donc à l'époque, moi, je sais pas qui est qui. Yo, caca, des moi, puis il y a un qui a presque souri, bah moi, mais là, non, il y a une qui a pas souri pour moi, vraiment, pas souri pour moi. Et puis mon caca, des lunettes, mais mon cas senti, il a une pression à l'air, moi, là, tu vois ce que je veux dire, j'ai senti une pression sur moi. Je n'étais pas forcément la bienvenue. Et tu vois, c'est même pas un truc de moi, en fait. Parce que moi, j'avais pas compris ce qui allait là. Mais j'ai senti que c'était pas ma place. Et donc, on m'a fait comprendre. Il y a le non-verbal aussi, on est d'accord. Il y a le non-verbal. On m'a fait comprendre que je n'avais pas ma place là, si tu veux. Vraiment, ouais. J'ai compris.
J'ai compris. Je ne suis pas resté, je ne suis pas revenu. À l'époque, j'ai pris mes lunettes. Truc au marin, là. Comment ça s'appelait ça? Eyewear? J'ai pris une paire au marin. C'était le. Alors, le mec qui m'a vendu la paire, je raconte, je vais jusqu'au bout de ma vie, c'est le mec qui a le Galanga Fishbar aujourd'hui. Qui à l'époque était Eyewear, c'est ça? Eyewear. Galanga Fishbar, qui du coup maintenant est restaurateur, cuisinier, enfin chef cuisinier au Galanga Fishbar, voilà. Qui m'a vendu cette paire de lunettes. Une paire très sympa que j'ai retrouvée il y a pas longtemps, très jolie. Voilà. Je vous raconte ma vie. Donc on parlait de. Je reviens au truc. On parlait. GBH. Ah, c'est intéressant. D'un point de vue économique, GBH n'intéresse pas des investisseurs qui font attention à leur image. En même temps, Mediapart, ils ont gagné tous leurs procès. Mais ce qui est intéressant avec Mediapart, c'est qu'ils ont la marge de se dire « Ok, on va, pas de souci pour la plainte. » Mais il y a une vraie question. Alors, on va dire « Ouais, Joey, tu accuses encore les médias. » Je vous le rappelle. J'ai rien contre les médias. J'ai déjà mis journaliste. Comme je suis pas raciste, j'ai une amie noire. Mais en vrai, j'ai vraiment des amis journalistes, des gens que j'estime et pour qui j'ai du respect dans ce qu'ils font comme travail. Mais il y a un problème d'enquête. Il n'y a pas d'enquête ou peu d'enquête longue et qui demande un investissement en Martinique sur certains sujets. Je l'ai dit ça, à l'époque, on avait la dernière enquête forte sur le groupe GBH dont je me souviens, c'est une enquête de France Antilles, qui parlait des déboires du chocolat Hello. Voilà, tu vois. Et bien sûr, je sais pas où elle est, bien sûr, je vais essayer de la retrouver. je sais même pas où j'ai foutu ça. Je crois que je l'avais mis sur Twitter parce que c'était un petit encadré. C'était une espèce d'encadré qu'il y avait dans le France Antilles. Est-ce que je sais plus. C'est les chocolats. C'est les chocolats et l'eau. Je sais pas si on en avait déjà parlé. On a déjà parlé de ça. Est-ce que je vais retrouver ça? Est-ce que je lis? Intéressant. Je l'ai pas. On avait fait une phrase de la semaine à l'époque. Et la phrase de la semaine, elle date de quand? Elle date d'octobre 2019. Octobre. Je vais ressortir mon schéma avec tous les médias. Non, les médias locaux, je sais pas, France Antilles, ça appartient à Niel maintenant. NNJ. France Antilles, c'est Xavier Niel qui a récupéré une partie du bébé. Et c'est intéressant parce que France Antilles, Xavier Niel, c'est surtout un très très proche de Macron. Donc Niel, c'est France Antilles. RCI, c'est un conglomérat où il y a beaucoup le groupe Élysée. Je crois que c'est eux qui ont une grande partie des trucs. Avant, c'était une dame suisse, je crois. Elle veut être un truc comme ça. Martinique Première, c'est à l'État. C'est France Télévisions. Quoi d'autre? Via TV, ben c'est au groupe Via. Très compliqué, du coup, parce que il semblerait qu'on voulait que ça soit une partie du Martiniquais. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, du coup, voilà. Est-ce que ça pourrait pas être un moyen d'avoir la vérité sur le chlordécone? Puisqu'il faut montrer que ce qui est affirmé est faux, ça peut permettre de savoir ce qui est vrai. Ben, oui et non, je suis pas persuadé de ça, parce que là, c'est pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce que il n'y a pas encore eu de jugement sur la responsabilité des gens, en fait. Donc, ce serait compliqué à prouver de cette façon-là. Je sais pas. Je me souviens d'une phrase de
une phrase de d'une juriste qui est décédée, il y a d'une avocate, Gisèle Halimi, qui est décédée il y a pas si longtemps que ça, qui était une femme qui luttait, une militante féministe qui luttait, et elle disait, je crois que je sais plus. Voilà. Sa phrase, c'est la phrase qu'elle disait. Donc Gisèle Halimi, hein, qui était du coup une avocate engagée dans les luttes anticoloniales et féministes. La phrase, c'est: la justice ne dit pas la vérité, elle dit le droit, qui quelquefois coïncide avec la vérité. Non, le truc est chaud, j'ai envie de vous la mettre. J'ai envie de vous la mettre dans la... Je sais pas pourquoi. Voilà. La justice ne dit pas la vérité, elle dit le droit, qui quelquefois coïncide avec la vérité. Et donc du coup, ça permet de, disons, de relativiser cette question de justice qu'on demande, et qui est une demande légitime. Mais quelle justice? Parce que la justice, c'est compliqué, hein, pour, par rapport aux puissants. C'est pas évident du tout. Et donc du coup... Je dis pas que j'ai fait un 2 et le 5, mais je pense que une action politique sera beaucoup plus intéressante qu'une responsabilité en justice sur cette sphère-là, tu vois. Parce qu'on a appris aussi que ce que disait le procureur sur l'affaire du chlordécone, enfin, un procureur de Paris, ça va être compliqué de juger parce que les frais sont prescrits et qu'on ne peut pas engager les responsabilités à ce moment-là, juridiquement parlant, d'entreprise. Leurs responsabilités sont inengageables. Bref. Donc du coup, c'est particulier comme truc. Vraiment, je suis pas convaincu qu'on puisse. Enfin, voilà quoi. Je limite pas un deuil, mais je sais pas si c'est un deuil, mais bon. Est-ce que ça va? Je sais pas. Convaincu par l'idée, quoi. Pas sûr que c'est un truc qui puisse être si intéressant que ça. Du coup, guillotine par le peuple. Oh, mais c'est elle qui a... Et puis, Julie, là, ça va aller, les guillotineurs, point heureux. Ça va? Non, mais oh, mais où ici, là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vous ai fait tout ça parce que j'étais en train de chercher une histoire sur le chocolat Hello, mais j'ai pas trouvé. Je sais plus où j'ai foutu ça. Bref, il y a un vrai problème au niveau de l'enquête. Des enquêtes. Alors, on dit ça, mais on n'a pas acheté Business News. On n'a pas acheté le Business News, donc voilà. Hein. Peut-être que dans le Business News, il y a les vraies enquêtes. Mais si c'est pour nous parler de fraude avec un truc qui rapporte 50 euros à quelqu'un et de pas nous parler de GBH parce que c'est peut-être un client, ça n'a aucun intérêt. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ouais, je voulais aller du coup à la Réunion. Parce que la Réunion, elle a fait ce travail d'enquête-là. Ils ont eu l'avantage de faire... Non, il n'a pas répondu au tweet, Beyond Delo. Il n'a pas répondu, on a attendu, il n'a pas répondu. Voilà, donc on va à la Réunion. Je vous mets l'article qui date de février 2020. Parce que les Réunionnais ont beaucoup de problèmes. Ils ont eu beaucoup de soucis avec... Très embêté avec le groupe GBH, le groupe Bernard Ayotte, le GBH. Mais ça va, non? Ça va, oui, c'est pas un râteau. Il a pas répondu. Il a dû se dire qu'on se foutait de sa gueule. Vous aussi, c'est vous qui m'avez dit mes caplops. Mais ça, c'est ça votre problème. C'est pas ça, oui, en blague, sans un pack à feuilles. On m'accuse de râteau. Non, mais oh! J'avais dit je vais ban, mais il faudrait mon ban modératrice là aussi. Pour toi quoi. Est-ce qu'il a été condamné à la Réunion? Je sais pas s'il a été condamné. Il a été condamné? J'ai un doute.
Mais on va en venir. Ah, mais tu vois, l'article c'est bien parce qu'il y a un petit visuel comme l'article d'Acrimed. Donc on peut regarder là. Ah, voilà, impeccable. Eh bien, on a une belle visibilité sur le groupe Bernard Ayotte à La Réunion. Si le rachat de Vendémia a lieu en 2020. Il a été fait le rachat ? Je suis pas sûr. J'ai un doute. Donc voilà, du coup. Grande distribution, production laitière, les marques exclusives, marques fortes exclusives, restauration rapide, bricolage, sport, culture, automobile, donc le pôle automobile qui est un pôle très très important aux Antilles, mais aussi à La Réunion, qui a une problématique sur les transports et sur l'automobile, notamment la grande route qui a été faite à La Réunion. Et donc du coup, vu que cette prédation a eu lieu récemment, entre guillemets, à La Réunion, donc ils ont ces données-là, parce qu'ils les ont vues. On a vu, en fait, ce qui s'est fait en termes de prédation à La Réunion. Et donc, du coup, il y a deux éléments. C'est que ça s'est fait récemment, donc on a pu savoir ce qui se passait. Mais, il y a une autre information qui est que il y a des médias d'enquête à La Réunion. Il y a un ou deux médias d'enquête et il y a des journalistes qui font de l'enquête à La Réunion. Il y a un média d'enquête un peu à la Canard Enchaîné. Un peu à la Canard Enchaîné, donc un peu humoristique, etc. Tu vois, un côté un peu humoristique, mais piquant quand même et qui raconte un peu les trucs. Mais il y a un média qui est un peu plus sérieux et carré. Et donc Zinfo 974, voilà, avec donc c'est le journaliste, c'est Pierre Dupuis, et donc du coup voilà, bam, article complet qui explique ce qui est en train de se passer à La Réunion, quoi. Donc, on peut essayer de zoomer pour lire un peu l'article. Je vous ai mis l'article ? Oui, je vous ai mis. J'ai mis le lien. Je l'ai mis. Je ne suis pas. Je ne pas dire ça, mais je ne suis pas. Je remets le lien. Le piment dans leur logo, il met... C'est pas un bon à manger. Je suis le chat. Je suis le chat. Papa bam. Alors, on est en 2020, le 22 juillet dernier, le groupe Bernard Ayotte GBH, qui possédait déjà entre autres Carrefour, annonçait officiellement le rachat des magasins Jumbo de Vendémia à La Réunion, mais aussi à Mayotte, Madagascar et Maurice. Pour ne pas être taxé d'abus de position dominante, le groupe entier a prévu de rétrocéder 4 hypermarchés à une société Make Distribution. D'accord. À écouter GBH, si jamais l'opération était autorisée, elle a été autorisée depuis, je crois, j'ai regardé, sa part de marché calculée en mètres carrés ne représenterait que 27%. Et donc inférieur à ce que Vendémia avait. Une première polémique est née. Faut-il comptabiliser le poids de GBH dans la grande distribution en tenant compte de ses mètres carrés ou de son chiffre d'affaires? Si l'on devait retenir ce dernier critère, la donne serait radicalement changée, puisque la part de GBH passerait de 360 à 750 millions d'euros. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Quand un groupe négocie avec des fournisseurs, il ne met pas en avant son nombre de mètres carrés, mais le chiffre d'affaires qu'il est susceptible de lui apporter. Hein. Donc du coup, voilà, c'est bien, c'est mignon votre truc. Je crois qu'il y avait une phrase, elle était où la phrase de départ ? Mais c'est intéressant parce que le groupe Bernard, c'est vraiment de la com. Hein. Ils sont vraiment en mode, non, nous, pas du tout. On n'est pas... voilà. Et quand je vous dis, quand on parlait de Bernard Ayotte qui pèserait le 300 millions d'euros, je ne suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il, soit délibérément ou pas délibérément,
ne communique pas exactement combien d'argent il pèse. Complètement. Complètement. Je pense qu'il pèse beaucoup plus que 300 millions d'euros. Alors après, on n'est pas à 100 millions près à ce niveau-là. Enfin, ou à 1 million ou 2 millions près. Mais je voilà. Parce que tu peux pas avoir fait toutes ces dépenses-là, tous ces investissements, tous ces agrandissements au niveau de ta boîte. Et puis, ça fait 10 ans, puisque quand tu as un challenge depuis quelques années, c'est toujours moins que 300 millions. Ça fait 10 ans que tu pèses 300 millions d'euros. Je trouve ça un peu... je trouve ça étonnant. Non, non, alors, ouais, je ne veux pas de plainte. Hein. Je trouve étonnant qu'il ne pèse que 300 millions d'euros. Bon, pas, je... Ça me paraît étonnant, puisque c'est un groupe qui a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années, notamment dans la zone Île-Maurice, Réunion, nanani, nanana. Donc, je ne sais pas s'il fait... Non, je ne pense pas... C'est... Les gros groupes comme ça, ils ne font pas de l'évasion, ils optimisent. Oui, ils optimisent sûrement. Mais si ça se trouve, le mec, ça doit être comme, comme Bernard Arnault quand tu lui demandes « Non, non, moi, je paye tous mes trucs, etc. » Alors, si c'est la crise, ça veut dire qu'ils sont vraiment mauvais quand même. Puisqu'ils continuent d'investir. Ils continuent l'investissement. Donc, c'est bizarre quand même. Alors, si on écoute Bernard Ayotte, il ne serait pas si important que ça. Si on écoute ses détracteurs, quand un réunionnais dépense 100 euros, 40 euros irait grossir le chiffre d'affaires de GBH. Waouh. Si une personne décide d'ouvrir un hypermarché, peut-elle passer directement par les fournisseurs ou faut-il passer par une des grandes familles à guillotine ? Oh là, hé ! On arrête les trucs de guillotine là. Oh là là, qu'est-ce que... Oh ! Wow, j'ai un coup de fatigue là, sur la voix. Je vais vous mettre une vidéo et puis je vais respirer. Allez, on y va. Où se situe la vérité ? Blablabli, blablabla. Bon, voilà. Ça, on a une phrase qui est pas mauvaise. Le chiffre d'affaires total du groupe Ayotte à La Réunion, après la potentielle reprise des activités de Vendémia, serait de l'ordre de 1,310 milliard d'euros. Bénéfice estimé 70 millions d'euros. Donc quand même, quand même, quand même. Voilà. Grande distribution, alors c'est pas très... C'est peu rentable la grande distribution. Mais c'est efficace. C'est-à-dire que tu sais que tu auras ton argent à la fin de l'année... Mais c'est peu rentable. Les marges ne sont pas énormes. Pas énormes. l'automobile, nanani. Automobile, automobile. Production laitière. Magasin Yves Rocher. Restauration rapide. Brioche dorée, croissanterie, nanani. Le bricolage. Plusieurs marques, etc. Voilà, et ça, c'est voilà, cette séquence-là qui est intéressante. Un animal tentaculaire où chaque branche pèse 40 à 50% du secteur. Ça suffit, en fait. Parce que un système de économique, tu pèses pour un achat sur deux, c'est toi qui décides des prix, en fait. Parce que après toi, il n'y a personne d'aussi grand. Et donc, c'est toi qui vas dire si on va à gauche, à droite, en haut ou en bas. Ça, c'est l'élément important à connaître. Voilà. Et donc, du coup, on peut regarder ces trois paragraphes-là. La stratégie du groupe Bernard Ayotte, elle est simple. Il cible un secteur d'activité qui l'intéresse. Il investit massivement jusqu'à occuper 40 à 50% de parts de marché. Le reste du marché est éclaté entre plusieurs acteurs. Okay. Dès lors, du haut de sa position dominante, ce qui faut dire la réalité, il est en situation de négocier en position de force avec les fournisseurs et leur imposer certaines conditions. De nombreux fournisseurs en métropole, entre parenthèses, SIC, entre guillemets, et notamment des agriculteurs, ont témoigné qu'ils étaient parfois obligés de vendre à perte à certaines grosses centrales d'achat, car sinon, ils étaient déréférencés
et couraient alors le risque de rester avec leurs marchandises sur les bras et de perdre encore plus. Une pieuvre à plusieurs queues. Ah oui, d'accord, non, c'est mort en fait. Aïdra. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Parce que vraiment, pour moi, la façon de fonctionner du groupe GBH, ça veut rien dire au groupe GBH, oui. Ça veut dire au groupe GBN Riot. La façon de faire de GBH, elle est là. C'est que, et c'est drôle parce que c'est un peu comme ça que Vincent Bolloré fait. Vincent Bolloré, il achète jamais 100% d'une boîte. En fait, il a une boîte qui prend 50% d'une boîte ou 51% d'une boîte. Il a une autre boîte qui prend 51% d'une autre boîte. Ou il a une boîte où il a 40%. Dès qu'il est le dominant, en fait. Dès que l'idéal, c'est dès que tu es dominant, tu peux être dominant à 32, 33, 40. Si à côté de toi, il n'y a que des petits et que tu sais que tu peux les gérer. C'est ton vote qui va décider qu'est-ce qui va être fait ou pas, en fait. T'as pas besoin d'être le grand matou, celui qui dirige tout en haut, etc., etc. Non, il suffit d'avoir assez pour être celui qui va décider de comment les choses vont se faire. Et donc c'est facile pour Bernard Ayotte de faire des communiqués de presse en nous disant non, c'est plus compliqué que ça, non, on possède pas tout, non, les autorités de concurrence, on n'a pas tous les mêmes cas, etc. Alors que dans les faits, quand ils vont parler avec des investisseurs, ils leur disent « Mais en fait, c'est nous. C'est nous les méchants, les gros requins blancs. Les grosses pieuvres. » Ça parle cuisine. « Donnez vos meilleures recettes de chatrouille. Je ne mange pas de fruits de mer. » C'est intéressant, je ne mange pas du tout de ce genre de truc. Mais ça, à ce qui paraît, j'aime bien ça, donc c'est que ça doit être bon, je ne sais pas. Fruits cassés, tout ça, de chatrouille, non, je ne mange pas. Voilà. Je raconte ma vie. J'essaie de... Tu vas dire parce que j'ai vraiment du mal, un peu de mal à respirer. J'ai le nez un peu bouché. Ça va aller, on va le faire. Oui, non, voilà, je mange pas de... Mais c'est bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de juger les gens. Oh, mais c'est ça votre problème, vous êtes dans le jugement. Alors, donc là, on est à 1 milliard 310 millions d'euros. Les bénéfices ne restent pas à la Réunion et remontent à la holding tête aux Antilles. Donc, quand Bernard Ayotte et famille nous disent qu'ils pèsent que 300 millions d'euros, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, vraiment. Mais les liens sont impeccables. Franchement, c'est. Je vous conseille de regarder en détail l'article. Mais tu vois, Pierrot Dupuis, c'est un petit monsieur blanc réunionnais, visiblement. Et le site date de 2008. Voilà. Donc je vous remets encore une fois le lien. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et... Pomme V. C'est vraiment très intéressant. Et il y a un autre élément, c'est que... J'en parlais hier. Les gens me disaient... Sur Twitter, on parlait de cette histoire de GBH. De Bernard Ayotte particulièrement. Les politiques réunionnais n'achetaient pas du tout cette histoire. Je regarde si j'ai des articles. Ben oui, j'en ai un. J'en ai un là. Voilà, j'en ai un là. Je vous le mets tout de suite. Je sais pas où on est. On est là. Donc voilà, là, ben, mon avis. 26 mai 2020, l'autorité de la concurrence donne son feu vert. Sous condition achat de 20 000 par le groupe, par GBH, les politiques réunionnaires réagissent. Donc ça, c'est le groupe Leclerc et Caillé qui sont un peu en bisbille avec GBH. Bon, là, c'est la partie business, on s'en fout un peu. Ça, c'est leur dos, ce n'est pas le nôtre. Les réactions des politiques. Non, Jean-Yves Gratton, c'est un député...
C'est un député de la France insoumise. Donc voilà. Indéniablement, ce business entraînera par la suite une situation de monopole dans le domaine de la grande distribution et renforce dès à présent le monopole économique. Alors, le mot monopole, c'est pas le mot précis, puisque c'est pas exactement un monopole, il a pas tout, mais il est dans une situation où c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Mais c'est un groupe martiniquais, les amis. En réunion, à la réunion, je sais pas si on dit en réunion ou à la réunion, j'ai un doute. Pardon, excusez-moi, la réunion, il y a des réunions dans le chat. C'est un groupe martiniquais pour eux. Un groupe martiniquais béqué, mais c'est un groupe martiniquais. Les béqués sont des martiniquais. À côté, dedans, à un autre endroit, mais ce sont des martiniquais. Malheureusement, heureusement, je sais pas. Ils le sont. Et donc, et c'est pas que les gauchistes, gauchistes les plus gauchistes, Erika Barretz, qui est une ancienne ministre des Outre-mer, qui est socialiste gentille, tu vois, pas méchante, hein, vraiment socialiste gentille, elle est aussi dans cette réflexion-là. Erika Barretz, c'est objectivement quelqu'un qui pourrait être proche ou pas si, si loin que ça de Serge Letchimy, politiquement parlant. Sauf que Letchimy, il sait ce qu'il doit au groupe, au groupe Bernard Ayot, et Erika Barretz, ils n'ont pas cette même dimension et cette même importance du groupe dans les affaires réunionnaises ou martiniquaises, en fait. Voilà. C'est une mauvaise nouvelle pour la Réunion. Notre territoire perd le contrôle sur la destinée de son économie. Et donc, elle, ça, elle va plus loin en disant qu'elle elle note le recul de l'actionnariat majoritaire réunionnais dans la majeure partie des grands secteurs économiques. Donc, elle est embêtée parce que ce n'est pas des Réunionnais qui ont le truc. Est-ce que nous, on est embêtés parce que c'est... c'est pas des, enfin c'est les Martiniquais mais pas les Martiniquais Martiniquais, bon voilà, je sais pas. Donc il y a un autre député qui dit qu'il faut que les conditions soient respectées, nanani. D'accord. Et donc du coup pareil, l'autorité de la concurrence dit non non non, non mais il y aura pas de souci, vous inquiétez pas. Aucun problème, non, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle dit, tu? Les conditions que nous avons posées, elles sont très strictes. Hein. Elles D'accord. permettent d'assurer qu'il n'y aura pas de monopole et qu'il n'y aura pas de position dominante qui puisse nuire à la concurrence. Donc ça, nous avons fait un travail très fin pour nous assurer que le consommateur aurait toujours des alternatives et nous aurons des rapports qui nous seront faits par un mandataire qui nous permettront de nous assurer que ces engagements sont bien respectés. Nous avons été en situation d'agréer les repreneurs avant même l'autorisation de l'opération, ce qui est une garantie supplémentaire puisque nous avons déjà fait le travail de vérification que les repreneurs sont aptes à assurer une concurrence suffisante dès demain et dans les mois qui viennent. C'était aussi une opération qui permettait de préserver l'emploi réunionnais puisque la structure Vindémia est reprise dans le schéma qui était proposé par le repreneur, ce qui est un élément qui nous paraît important dans l'appréciation. Voilà, donc du coup elle dit que mais non, non, pas de souci. Et ouais, donc en Martinique, je cherchais le lien. Il y a eu ce même débat-là en 2018 pour la vente de Géant Casino Océanis. Non, non, pas de souci. Pas de souci. Donc, bon, écoute, il n'y a pas de... Quels sont les faits ? Là, l'information, elle est là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, hein, il y a une demande qui a été faite. Et Awadiso nous a envoyé un lien. Est-ce que je peux regarder? C'est une lettre de 2003. Ouais, c'est par rapport à ce qui s'est passé en Guyane. Et donc, du coup, le fait que la Guyane décide de tout prendre... Enfin, qui décide. Le groupe GBH décide de... le groupe Bernard Ayot. Le groupe Bernard Ayot décide de s'installer en Guyane en mode normalus, légalus, tu vois. Bah les couilles. Qui va dire quoi? Et donc, ouais, ça s'est passé en 2008. Ils ont dit non. En 2018 pour Océanus. Non.
tranquille l'achète, c'est bon. Déjà, c'est pas encore en four, ok. Donc, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Hein. Est-ce que j'ai le lien là? Je vais le mettre là. Déjà, déjà, le gars, ils ont dit. Déjà, c'est pas un cas en fou, ok. Mais heureux marché. Donc, il y a aucun rapport entre les deux. Et on a appris peu de temps après qu'en fait, ils avaient exactement, au visuel près, les mêmes offres dans leur truc de prospectus, en fait. Donc, bon, écoute, je sais pas. Je sais pas. J'avais quoi d'autre? On va peut-être pas faire 2 heures ce soir parce que les amis, je vais pas vous mentir. Mon nez là, c'est chaud. Mais j'avais quoi d'autre? Ah ben tu sais, j'avais du rhum JM. Tiens. J'avais du rhum JM avec au début de la semaine, les bouteilles de la distillerie JM ont été enlevées. Parce que c'est toujours, JM, c'est toujours le, on parle toujours de GBH là. Et voilà, les rendants invendables, initiative des militants RVN, entre parenthèses, entre guillemets, je sais pas. Et donc du coup, on va écouter ce que nous dit, je crois que c'est... À la distillerie JM au Macouba, le 12 février dernier, les militants RVN n'en ont pas terminé avec les bouteilles du rhum du groupe. En début de semaine, certains hypermarchés distribuaient ces bouteilles avec, selon les militants, le drapeau aux quatre serpents. Ces bouteilles ont été ouvertes, les rendant invendables, une action qu'ils justifient. La règle aurait voulu que si la justice s'appliquait naturellement, que ça soit les principaux intéressés, donc les producteurs de JM, qui soient sanctionnés pour ce crime-là. Nous savons que apologie d'un crime contre l'humanité est un délit, et dès lors que quelqu'un est en infraction par rapport à cette règle, la police, la gendarmerie, en tout cas les représentants de la loi doivent veiller à ce que cette règle soit respectée, donc que ces produits soient retirés. Dans la population, cette démarche est diversement appréciée. On les a avertis, il faut enlever les étiquettes. On en a déjà parlé du micro-trottoir, qui est jamais quelque chose de très intéressant en fait quand tu fais du journalisme, parce que tu dois faire quoi? Trouver une personne qui est pour, une qui est contre, une qui est neutre, ça veut rien dire un micro-trottoir en fait. Ça n'a aucun réel intérêt. Surtout que ça veut dire qu'il faut être sûr que du coup les gens aient toutes les informations, tous les tenants et les aboutissants. C'est très compliqué le micro-trottoir. Donc on va écouter ce qui est dit, mais il faut avoir ça en tête aussi. Ils n'ont pas fait. Bon, mais je trouve que c'est de leur faute. Mais s'ils sont venus et croiser le magasin sans avertir, là c'est la faute des agresseurs. Quoi. Okay, franchement, aucun avis. Est-ce que vous pensez au moins qu'il faut retirer ce type de bouteille? Bon, je pense que si le préfet, depuis l'année dernière, avait demandé que tout ce qui est en écus en fait, et serpent, donc il faut que la loi soit respectée. Voilà. On n'est pas obligé de mettre ça à l'affiche, mine de rien, parce que ça n'a pas sa place. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, parce que ça a été aboli, il faut savoir vivre avec le temps d'aujourd'hui. Oui, il faut enlever les bouteilles. Ou bien laisser les bouteilles. Leur intrusion à la distillerie et l'agression d'un employé, 4 militants RVN comparaîtront mercredi prochain devant la justice. Alors, on a un petit problème de son, je crois qu'on n'est pas tout le truc. Il me semble qu'il y a une autre séquence. Je ne suis pas du tout de bêtises, mais il me semble qu'il y a une autre séquence. Voilà. Mais tiens, on va écouter. Ça dure combien de temps? Ça, je vais pouvoir respirer. On va écouter l'archer 8 minutes. Oh là là. 8 minutes. C'est beaucoup 8 minutes, hein. Vas-y, on va écouter ce qu'il a à dire. Hein. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Je vais pouvoir border le pendant ce temps. En compagnie de Charles Larcher, directeur de la distribution des rhums du groupe GBH. Et donc... Alors, je fais le relou. Charles Larcher... C'est également celui qui était accusé en tant que responsable dans l'affaire
du chocolat Hello. Parce que c'était lui qui est responsable de chocolat Hello. Et je trouve pas ce truc. Donc il faut que je le trouve en fait. C'est bizarre. C'est bizarre que je trouve pas. Est-ce que l'article est là? Je pense que l'article n'est pas là. Mais non, il n'y a pas tout l'article. Bien sûr qu'il n'y a pas tout l'article. Je vous mets la séquence et je cherche l'article et je vais essayer de le trouver. Quand même. Je vais mettre ça. Dérôme JM, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de le voir, cette mobilisation en soutien à deux militants qui ont été arrêtés dans le cadre justement des événements du 12. Ils ont été arrêtés parce qu'il y a eu des saccages dans la boutique JM au Makuba. Déjà, votre réaction par rapport à ces événements? Alors j'étais présent ce jour-là, le 12 février, aux côtés de nos ouvriers, nos employés de boutique. Nous avons vu arriver 15 extrémistes qui ont voulu voir nos emballages. On leur a expliqué que depuis novembre 2019, soit depuis près d'un an et demi, nous avons entamé une démarche pour retirer l'ensemble des drapeaux aux quatre serpents présents sur nos emballages. Ils ont pu le constater en boutique. Ils ont pu le constater en boutique. Ils nous ont insultés, ils nous ont bousculés, ils ont filmé tout ce qui se passait. Bien entendu, quand ils diffusent des choses sur les réseaux, ils choisissent les scènes. Malgré le fait qu'ils ont constaté qu'il y avait très peu d'emballages concernés, ils ont saccagé la boutique. C'est une situation inacceptable. Lorsque nos salariés sont allés porter plainte à la gendarmerie Trinité, ils les ont agressés devant la gendarmerie. Aujourd'hui, 100% de nos produits qui sont présents dans l'INER, et si jamais il y en avait qui n'étaient pas, c'était pas le cas, on est prêt à les reprendre, 100% sont sans le drapeau aux quatre serpents. Malgré cela, ils vont dans nos boutiques, dans les magasins, dans 8 supermarchés et supérettes de la Martinique, retirant de force les produits dans les rayons pour empêcher que les produits se vendent. Et justement, nous allons y revenir dans ce reportage que nous allons visionner dans quelques secondes, des hypermarchés où c'est... C'est très intéressant parce qu'il dit ils vont dans nos boutiques, mais nos boutiques, ben oui, parce qu'en fait, ce sont ces boutiques aussi. Ce sont les boutiques du groupe Bien Riot, en fait. Donc, nos boutiques... Oui, nos boutiques, non, des supérettes, des boui-boui, hein, non, c'est des petits endroits qui ne nous appartiennent même pas, qui n'ont rien à voir avec nous d'ailleurs. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Arrêtez. Et j'ai trouvé l'article. Est-ce que, mon Dieu, je peux. Est-ce que je peux l'envoyer là? Voilà. Donc l'article, il est là. On va le regarder tout à l'heure. On va finir avec cette histoire de Via TV et on va écouter. Très très intéressant de voir le discours et les propos qu'il tient. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, je sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises personnes, le groupe qui fait ça, donc c'est des militants, mais notamment action-réaction. Donc on voit bien qu'il y a aussi un peu une scission entre qui est qui dans ce qu'on dit les militants en VN, qui est un truc assez générique, mais il y a des groupes différents. Tout le monde n'a pas l'impression de vouloir entendre ça, mais il y a vraiment une notion. Bref, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, force est de constater que ça amène la discussion, pour le coup, sur le plan global. Et ils expliquent qu'ils ont fait des efforts, mais que ce sont des extrémistes, nanani, nanana. Okay, d'accord. Les produits de la marque JM ont été forcés au retrait sous la pression des militants. Il y a eu plusieurs actions après ces événements du 12 février qui ont forcé le retrait de ces bouteilles. Je vous propose de regarder ce sujet tourné par Déborah Ambroisine et Yvan Lemar. Depuis leur intrusion. Oui, donc ça, c'est le sujet qu'on a déjà vu, du coup. On l'a déjà vu, le sujet. On l'a déjà vu. Oui, micro-trottoir, nanani, nanana. D'accord, merci beaucoup, on peut repartir. Martinique peut être un petit peu mitigé par rapport à cette affaire, vous l'avez dit. Mais du coup, ils sont mitigés parce que, ben oui, ils ont fait un mur contre trottoir et le but du jeu, c'est que l'aspect soit mitigé, en fait. Ça peut pas être catégorique de gauche ou à droite, ok. Pour le coup, les gens qu'on a écoutés, ils étaient relativement contre les deux premiers. Il y a un qui était neutre et les deux, enfin, le premier et la dernière étaient un peu... Bon, bref, bon, allez. Continue. Le groupe avait déjà commencé à retirer ces drapeaux quatre serpents. À quel moment vous avez commencé à les retirer et pourquoi? On a commencé à les retirer en fin 2019. Donc le président Macron avait pris une décision donc, au cours de l'année 2018. Et donc au fur et à mesure effectivement, de l'année 2020, les produits effectivement, se sont retrouvés sans ce drapeau. Et ces militants en fait, aujourd'hui utilisent en fait,
la problématique de ce qui se passe autour de JM, qui a 100% aujourd'hui de ses packaging, je le répète, qui sont... Larocher, c'est pas le meilleur de sa catégorie, parce qu'il est quand même venu avec ses notes. Hein. Il a des notes, il a une note soulignée en gros extrémiste, avec ses, on dit ça en communication politique, on parle de EDM. EDL, j'ai dit quoi? J'ai dit M ou L. Putain, mon nez est bouché, je sais même pas ce que j'ai dit. EDL, L. L comme Léa. EDL, élément de langage. EDL, voilà. En communication politique, on parle d'éléments de langage. Donc, il avait ces éléments de langage, ce sont les extrémistes. Il profite de cette problématique pour casser des bouteilles de rhum, nanani, nanana. Aujourd'hui, sans ce drapeau 4 serpents, ils utilisent cette problématique par rapport au problème du chlordécone. C'est le vrai sujet. Effectivement, alors le groupe GBH est régulièrement visé depuis plusieurs mois par rapport à ce scandale du chlordécone. Ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'ils savaient de quoi ils allaient parler. Parce qu'ils rebondissent directement dessus, en fait. Donc, quand tu prépares une interview, tu sais à peu près où tu vas aller avec les gens. On sait, on discute... en amont, etc. On sait, c'est pas un problème en vrai. Sauf que, en fait, Via TV, c'est aussi, enfin, vu aussi de la publicité. Si ça se trouve, avant via cette truc-là de Via TV, il y avait un encart publicitaire d'une des entreprises de GBH en fait. Et c'est pas dire qu'ils sont vendus ou autre. C'est dire qu'en fait, il y a aussi une forme du pouvoir qui est dans l'idée que, ben en fait, il faut pas trop nous dire du mal de nous parce que sinon on va arrêter de mettre des pubs chez vous en fait. Et même si c'est pas explicitement dit, c'est dans un coin de la tête, c'est possiblement là. Il faut pas nier ça en fait. Vous vivez ces événements et quelle est votre réaction finalement parce que il y a un vrai débat autour de ce scandale du chlordécone. Est-ce que vous comprenez des diverses manifestations qui se tiennent parfois devant des enseignes du groupe GBH? Je comprends tout à fait qu'au niveau du dossier du chlordécone, nous avons une position qui est très claire. Le groupe a bien dit à plusieurs reprises que nous n'avons jamais apporté de chlordécone en Martinique. Nous n'avons pas apporté de chlordécone en Martinique. Et d'autre part, nous sommes très attachés à ce que la justice aille jusqu'au bout dans cette affaire. D'ailleurs, dans le rapport de Serge Etchimi, qui a présidé la commission parlementaire sur le chlordécone, le nom de Bernard Ayot et le nom de GBH n'est jamais cité. Par contre, moi, en tant que salarié du groupe GBH, directeur du groupe, depuis 28 ans, je suis dans ce groupe. Je suis aux côtés d'un homme entrepreneur, un grand entrepreneur de Martinique, qui a commencé à 60 ans avec deux salariés, qui est un défenseur de la production locale, qui a veillé à entreprendre, qui a racheté des entreprises parfois en difficulté et quelque part préservé des emplois. Je n'accepte pas, comme la majorité des directeurs, comme la majorité des ouvriers, des employés de ce groupe, qu'on soit comme cela, traîné dans la boue. Ce n'est pas possible. Nous n'acceptons pas cela. Wow, mais c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Mais c'est vraiment super intéressant parce que là, on est devant une offensive. Et alors, c'est bien parce que j'ai pas dit comment ça s'appelait j'ai pas redit avant de commencer comment ça s'appelait le live de ce soir. Mais quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque, c'est exactement ça. Ça, c'est une contre-attaque de com. C'est-à-dire que on a des éléments de langage, on va les distiller à tout le monde, parce qu'il a dit, ok, Serge Letchimi, le rapport parlementaire, nanani, nanana, la commission d'enquête, on n'est pas dedans. Le truc, on n'est pas dedans. Et effectivement, peut-être qu'ils ne sont pas dedans, en fait. Mais on est en train de refaire le narratif de Bernard Ayot, qui est le plus grand entrepreneur de la Martinique. Je limite le plus grand entrepreneur du monde, je sais pas. Qui pèse que 300 millions d'euros, hein, n'oubliez pas. Mais bref, le meilleur de sa génération, qui est parti de rien. Il a fait deux salariés. Et on veut dire que du coup, nous les directeurs, on l'aime. Nos employés, ils l'aiment. Et donc du coup, on est retourné dans ce narratif où on va faire parler les employés, les autres, etc. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. Parce qu'on voit bien, parce que c'est l'avantage de faire le tour des médias, c'est qu'on voit que
là, les mecs sont pas allés chacun de leur côté. Il y a une communication qui est faite pour tout le monde et qu'on va distiller pour tout le monde. C'est pas un complot, c'est juste une communication qui, voilà, tout le monde a la même ligne de défense, c'est pas en fait, mais oui, voilà, c'est ça. Tout le monde est, comme vous dites, c'est, mais c'est très intéressant, très intéressant. Et alors, on peut, comme je vous ai dit, la question, elle est pas sur la question de la légalité ou pas des choses, en fait, à ce niveau-là. Elle est sur qui a les moyens de faire et d'avoir le pouvoir de faire et la domination, en fait. C'est ça, c'est juste ça, hein. Voilà. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour nous... Mais Charles, sois plus discret quand tu lis ton truc, quand même. Je sais pas, merde. Pour moi, qui suis très attaché à ce groupe, il y a deux grandes valeurs du groupe, notamment l'insertion des jeunes, l'emploi des jeunes, la préservation de l'emploi. C'est une donnée, une chose qui est très importante, et le développement de la production locale. Et je suis très fier en tant que directeur du groupe, directeur de ce beau groupe qu'est le groupe GBH, que Aimé Césaire soit venu. Ah, mais bien sûr, Aimé Césaire, le combat, il dit groupe GBH. Ça va, je ne suis pas le seul à faire l'erreur. Je ne suis pas le seul à faire l'erreur. Il dit groupe GBH et il dit aussi deux choses. Donc, les voilà. Oh là là, mais c'est L4, mais décidément, incroyable. J'allais dire exactement, il dit le chantage à l'emploi et la production locale. Non, alors la production locale, c'est ce qui est à la mode maintenant parce qu'il y a vraiment cette idée... qu'il faut être gentil avec... Enfin, il faut penser développement local de la Martinique. Donc, c'est ça. C'est ce qui est à la mode. C'est le groupe Créo qui a marché pays maintenant. C'est ça. Donc, voilà. Non, mais c'est très, très intéressant. Je trouve ça très intéressant d'écouter. On n'avait pas prévu ça. J'ai pas prévu d'écouter Larcher, mais... Vraiment incroyable dans son discours, toujours porte-parole du truc. Et là, donc, du coup, c'est bon. On est arrivé à Aimé Césaire, on a eu l'aide chimie, on arrive à Aimé Césaire, et voilà. On va reprendre un petit peu avant pour réécouter cette phrase. On veut. Et donc, voilà, on en revient à la fondation du groupe Bernard Ayotte, qui est une fondation liée à l'Université des Antilles et qui comment il s'appelle ? Ce groupe a une licence, je crois, à l'université qui forme des chefs de rayon. De mémoire, c'est ça. Je crois. Il me semble qu'ils ont une licence qui fait ça et ils donnent aussi à l'université en partie. Il y a deux grandes valeurs du groupe, notamment l'insertion des jeunes, l'emploi des jeunes, la préservation de l'emploi. C'est une donnée, une chose qui est très importante, et le développement de la production locale. Et je suis très fier en tant que directeur du groupe, directeur de ce beau groupe qu'est le groupe GBH, que Aimé Césaire soit venu à Clément planter un arbre avec cet homme, Bernard Ayotte. Le coup baril. Ce geste fort, symbolique, quelque part, c'est le geste vers lequel moi je préfère me projeter plutôt que ces violences injustes et iniques qui sont faites par ces extrémistes. Alors, les violences sont condamnables et condamnées. Vous l'avez dit, le nom de Bernard Ayotte, le nom du groupe GBH n'apparaît pas dans cette affaire, mais il y a tout de même... Le nom de la famille Ayotte, puisque Yves Ayotte était président du groupement des bananiers au moment de cette affaire du chlordécone. Alors, on peut peut-être comprendre du coup que finalement, toute la famille soit prise dans cette affaire. Non, on ne peut pas le comprendre. Votre frère commet peut-être des erreurs. En quoi vous en êtes responsable ? Bernard Ayotte, le groupe Bernard Ayotte, n'a pas importé de chlordécone. C'est ça le point important. Et là, il y a une assimilation, un mélange malsain qui est fait. Ce n'est pas acceptable. Dernière question, hein, simplement pour revenir sur les événements du 12 février, quelles actions en justice ont été entamées par le groupe ? Logiquement, comme notre boutique a été détruite, comme nos salariés ont été molestés, nous avons effectivement porté plainte, et cela est normal puisque nous sommes dans un état de droit. Et notre objectif, c'est que cette entreprise de 70 personnes qui fait travailler 70 femmes, hommes de la Martinique dans le Nord, un territoire qui subit le chômage, que cette entreprise... Mais le chantage au chômage, c'est un truc terrible. Hein. C'est vraiment un truc terrible, ça. C'est très intéressant. C'est vraiment terrible. Parce que c'est vraiment le premier truc que les gars vont utiliser. Donc, on peut faire tout le mal du monde, on emploie des gens. Donc, attention, on emploie des gens. Donc, attention. Puisse continuer à se développer, continuer à représenter la Martinique dans 80 pays dans le monde. Ça, c'est notre objectif. Merci beaucoup, Charles Larcher, d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'être revenu, du coup, sur ces événements, notamment. moi comme le journaliste.
Wouh, ça c'est moi ça. Aucun signal. Du 12 février, je le rappelle. Ça c'est moi. Mais alors, j'en veux pas, je n'en veux pas aux individus et aux journalistes et aux gens qui font leur travail. Vraiment, hein, c'est. Alors, vous avez dit ça, mon méchant, mon gentil, on peut être fâché en fait. J'en veux pas à ces gens-là, en fait. Les gens font leur travail et ils font ce qu'ils peuvent entre guillemets, ce qu'ils veulent ou etc. Le problème n'est pas là. Il se situe pas là, quand même, je pense. Voilà. Non, mais c'est très intéressant d'avoir écouté Charles Larcher parce qu'on voit bien qu'il y a une offensive qui a été faite de ce point de vue-là. Maintenant, vu qu'on a commencé à parler de Charles Larcher, on va continuer avec. Du coup, Charles Larcher était aussi le responsable. Je vais pas dire de bêtises. Je vais quand même vérifier rapidement qu'il était bien le responsable de Chocolat Hello. Et éviter de me faire agras. Éviter de me faire agras. Oui, j'ai un gigarello, Nicolas. Explication avec Charles Larcher, directeur général Hello. Je crois que c'est marqué dans l'article de toutes les façons. Voilà. C'est marqué, oui. Ben oui, j'étais pas sûr. Son dirigeant, mais à l'époque, oui. On est en octobre 2019. Et donc, alors vous voyez ou pas? Je vais peut-être zoomer un peu. Je zoome un peu. Vous me dites si on voit, bien ou pas. Je vais peut-être. Je vais regarder. On va regarder le titre et après on va faire. Ah ben, article par article. Partie par partie. La justice condamne les chocolats Hello. La société Girard SA qui produit le chocolat Hello et son dirigeant ont été condamnés pour de nombreux manquements en termes d'hygiène et de traçabilité. À cela s'ajoute une condamnation pour pratique commerciale trompeuse. Les faits remontent à 2018. Depuis, l'entreprise a fait le nécessaire. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Les chocolats Hello affirment utiliser la même recette depuis plus de 100 ans. Pas selon la DIECT. Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi. En mai-juin 2018, l'administration réalise un contrôle dans l'usine qui se trouve lamentée. Les résultats sont accablants. Tout le fonctionnement de l'usine est remis en cause. Le plan de maîtrise sanitaire n'est pas respecté. Le parquet a engagé des poursuites pénales contre la société et son dirigeant Charles Larcher. Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel en premier lieu pour pratique commerciale trompeuse. Alors, c'est super, c'est génial, tu emploies sur moi beaucoup de monde, mais tes pratiques commerciales sont trompeuses, du coup. Voilà. Sur les emballages, il était spécifié que le chocolat et le sucre de canne provenaient de Martinique, mais après analyse, il s'est avéré que les fèves étaient importées de Colombie. Le taux de chocolat martiniquais ne dépassait pas 1,5%. C'est très intéressant, parce que du coup, c'est un peu... Ah, mais tiens, il y a Robin qui est venu faire un petit coucou. Ça va? Il est là. Je sais pas si je vais vous l'amener, mais... Tu viens? Tu viens ou pas? De toute façon, il s'en fout du chocolat. Il a pas le droit de manger du chocolat. Et il a pas le droit. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Et ça, c'est marrant parce que les 1,5%, c'était un peu comme quand l'UGP BAN nous disait qu'ils avaient une banane bio, mais en fait, c'était même pas 2% de la production qui était bio, quoi. C'est intéressant. Alors, il s'agit d'une erreur de l'agence en charge du packaging. Merde, putain, c'est con. Depuis, la mention cacao de Martinique a été enlevée. Les analyses de 2018 ont également révélé de nombreux manquements à l'hygiène. Des fèves de cacao conditionnées dans des sacs d'engrais réutilisés. Des matières premières laissées sans protection à côté de produits de nettoyage et de produits bactériens. Bacticides. Bactéricides. D'accord, je vais y arriver. Un taux élevé de cadmium a été détecté dans chaque tablette.
Quasiment toutes les machines étaient couvertes de saleté et de rouille, les tablettes et les équipements de moisissure et de crasse. Intéressant. Difficile pour l'entreprise de nier l'évidence concernant les manquements à l'hygiène et à la traçabilité. Néanmoins, le dirigeant a affirmé que les lots concernés ont tous été retirés de la vente le plus tôt possible. C'est les mêmes lots que les trucs de Rome, quoi. C'est pareil. La société gérée derrière ça par la voix de son dirigeant s'est excusée à plusieurs reprises durant l'audience. La semaine dernière, le tribunal correctionnel a condamné Charles Larcher à 6 600 € d'amende. La société a écopé de 35 000 € d'amende délictuelle. Le tribunal a également ordonné la publication du dispositif du jugement dans un quotidien local de son choix pour une durée de 3 jours aux frais de la société et dans la limite de 1 000 €. Donc c'est intéressant, peut-être s'ils ont donné cette information ailleurs, j'ai pas vu ça. Depuis le dernier rapport de la Direct, les locaux ont été définitivement fermés. L'unité de production se trouve désormais au François et remplit tous les critères d'hygiène et de traçabilité. Il n'y a donc plus aucun danger sanitaire aujourd'hui. Wow, mais ça c'est une com, ça. Ça, c'est une communication. Même si les fèves de cacao sont importées de Colombie, le chocolat et l'eau restent pile, car il est entièrement transformé et produit en Martinique. Cette procédure pénale a eu le mérite de tout remettre dans l'ordre, dans l'intérêt du consommateur. Même si, malgré les faits reprochés, il n'y a eu aucun cas d'intoxication alimentaire. Wow, j'avais oublié ce petit encart là, mais ça c'est... L'encart il est signé Charles Larcher là, j'ai juré. L'encart qui est là, c'est lui qui l'a écrit. Mort de chez mort, incroyable. J'aime beaucoup. Wow. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je suis un petit peu fatigué. Non, mais du coup, c'est toujours intéressant parce que, et encore les mêmes éléments de langage de Charles Larcher, hein, les lots concernés ont été retirés, nanani, le plus vite possible, bon, nanani, nanana. Donc, toujours très intéressant de voir comment on parle d'un truc, voilà, bref. Bon. Donc le gars, il a fait n'importe quoi. Hello, il est même pas grillé. Il va juste diriger une autre société. Alors non. Il va pas diriger une autre société. Il dirige plusieurs sociétés en même temps. Non. À partir d'un certain niveau, tu diriges 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sociétés. C'est pas un problème. Hein. Non. Il faut pas voir ça comme ça, les amis. Tu diriges pas une société. Quand tu es dans un groupe comme ça, tu es à la tête de plusieurs sociétés. Parce qu'il faut des mandataires, il faut etc. Non. Parce qu'il y a une holding, il y a plusieurs boîtes. Non. Si on prend l'exemple d'Alexandra Élysée, si tu vas sur société.com et tu regardes ce sur quoi elle travaille, elle a plusieurs boîtes. Hein. On peut essayer Charles Larcher. On peut essayer, hein, tout simplement. Est-ce que j'ai ça? Parce que du coup, Larcher, il est directeur général des héritiers Aubin Clément. Et il a autre chose aussi. Hein. Directeur général du groupe Bernard Ayotte. Il y a plusieurs trucs, il faut pas regarder ça comme ça. Il y a le code des Roms. Enfin, c'est pas. Non, les amis, c'est plusieurs trucs. Hein. C'est pas. Non, laissez mes signes en boîte, il y en a 10 boîtes. Hein. C'est pas. Voilà. Voilà. Bon, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Non, mais. Si on peut revenir à ce qu'on a vu au début. C'est peut-être une forme de procédure bâillon de porter plainte comme ça. Je sais pas si ce qui était bien à faire de molester des employés qui vendent de l'alcool, surtout si c'est des employés qui c'est pas eux qui sont les dirigeants de la boîte. Après, on sait pas hein, qui ils ont molesté, puisque du coup, c'est sûr que
dans l'idée, c'est plus simple de dire que tout le monde a été molesté parce que ça fonctionne mieux que de dire c'est le grand patron qui était molesté. Voilà, bref. Mais donc du coup, c'est intéressant. Et voilà, donc je vous laisse avec cette histoire de chocolat et l'eau condamné, parce que ça montre bien aussi que c'est possible, ça existe, les condamnations, c'est possible, mais c'est pas allé si loin que ça, parce que c'est pas un truc qui a fait énormément de bruit. Ça a été communiqué, on l'a, l'article dans le France Antilles, mais voilà. Bref, est-ce que je vous remets pas une petite tête de nana pour finir? Je vais vous laisser sur cette tête de Bernard Ayotte, pour être bien conscient quand même que ça reste quand même des groupes et personnages, et que c'est pas, il faut le dire ça aussi, c'est pas un mec qui dirige tout dans l'ombre, nanana. C'est une personne qui a des intérêts de classe qu'il défend, des intérêts peut-être aussi de race qu'il défend, et du coup il y a d'autres personnes, notamment les hommes politiques, on en reparlera, les hommes et les femmes politiques, on en reparlera sûrement mardi ou samedi prochain, qui ont aussi leurs intérêts à défendre par rapport à ça, et il faut aussi être conscient de ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remets également le lien du Tipeee, si vous voulez nous donner une petite force, c'est toujours bien pour acheter du matos et du matériel. Merci l'ordinateur qui fonctionne parfaitement bien, j'en suis vraiment ravi, donc merci à vous par rapport à ça. Et puis ben voilà, hein, en espérant que mardi prochain j'aille mieux, un petit peu mieux, mais ça devrait aller après. Bon ben oui, non, mais on espère aussi qu'il y aura de l'investissement un peu plus, il y en a, c'est pas vrai qu'il y en a pas, parce que notamment le truc et là on a vu qu'il y en a, qu'il y en ait un peu plus, notamment sur les affaires économiques et sur les choses économiques, au sens qui dirige quoi, qui gère quoi et qui fait quoi, pas au sens business news, trois personnes ont deux caddies à Fort-de-France, quoi, tu vois. Voilà, bref, donc du coup merci beaucoup. Bref, voilà, merci beaucoup, merci à vous pour ce live. On va rebalancer un peu de musique, on va laisser sur du dancehall des années de 2018-2019, là, le dancehall un peu chatatting qui faisait du bien. Bref, merci les muffins, merci d'être passés. Je sais pas s'il y a un truc à retenir de cette soirée ou de ce petit live, sinon de faire attention à vous, et puis de ne pas se laisser avoir par les campagnes de communication, hein. Voilà, merci beaucoup, pas de guillotine ce soir. et puis voilà, merci, ouais, je vais essayer de faire je vais me faire une petite infusion là. J'ai du quoi là, j'ai de la Atumo. Je vais faire un peu ça, Atumo Virapique. On verra si ça va faire ça. Voilà. Est-ce que j'ai du RomJM? Non. À la maison là, je dois avoir peut-être un peu de Matco qu'on m'a ramené. Et du Biel. Bah, du Biel? Je sais plus si c'est du Biel. Je sais plus. Il me semble que c'est un rhum biel de qualité, un truc comme ça. De mémoire. Un rhum biel de qualité, un peu comme ça. Bref, allez. Merci beaucoup, merci d'être passé. Bonne fin de soirée à vous. Et puis, à très bientôt. Salut. Just touched down in the airport. Young Money. DJ. Yeah. Just touched down in at the airport. Track suit, I'm a Air Force. All of my gal them love me. All the wanna say I'm ugly. She go spot me designer. She wanna give me the vagina. Everything I from London, Bond Street. Nothing ever come from China. I mean, pop up my tandem. My new Benz, it a mad them.
Every day me I swag them. Mm-hmm. Louis de pa me back them. Mm-hmm. See me not too swim, me not like beach. And me too black, me not like bleach. What? Phone no stop ring when I night reach. Even your girl want try peace. Okay. I see him, so me do it. Mm-hmm. So me do it. Mm-hmm. Hey, yo. Mm-hmm. Just touched down and out of G5. Mm-hmm. You know I'm buzzing like a beehive. Mm-hmm. We still pumping to that C5. Mm-hmm. Fendi prints pa my knee highs. Mm-hmm. Body good is some of my them. Mm-hmm. Fierce pretty me a problem. Mm-hmm. Everything from Paris, Milan, straight off the runway when I grab them. Mm-hmm. Platinum plaques in my office. Mm-hmm. Turned that $1 million office. Mm-hmm. I don't fuck with the middleman, low ranks. I'ma only meet with the bosses. Mm-hmm. Zim and I two swim and I like beach. Y'all know I'm a game and I like teach. Ride the dick good when my mom reach. Now your boyfriend want try peace. I see him, so I do it. So I do it. Just touch down like NASA. Nikki Boom Boom Fatta. While you there, your job. Your girl's giving me a blowjob.